Bonjour à tous, m'en voici dans une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. Donc alors là c'est mon frère qui me filme, c'est pour ça que j'ai mes deux mains. Donc alors en fait nous sommes dans la voiture de mon copain est parti rendre visite à un ami qu'il y a derrière. Donc là-bas. Voilà, c'est une sorte de café ou je ne sais quoi. Et en fait ma mère est partie à Cluses visiter, voir un ami. Donc en fait on l'a amené et son ami vient la ramener chez nous, enfin chez elle plutôt. Donc là en fait, c'est pas un peu de travers là? Non, non, t'inquiète pas. Si. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais décidé de faire un vlog de plusieurs jours jusqu'au dimanche pour être précise. Donc là nous sommes jeudi 27, 28 28 je crois. Voilà, et en fait du fait que c'est la fête des mères dimanche, j'avais très envie de vous faire montrer un petit peu ce qu'on allait faire de cette journée. J'espère qu'on va faire quelque chose. Normalement ma mère travaille le matin je crois et l'après-midi non. Donc du fait que moi... je vais faire un gâteau pour elle samedi. Oula, ma voix a déconné. Et vu que je ne vous en dirai pas plus sur ce... pour ce gâteau-là, enfin le cheesecake, comme je vous avais dit dans un précédent vlog, il y aura une petite surprise. Je me suis emmêlée toute cette... Quoi, tu rigoles? C'est pas grave, c'est pas grave. Quoi, il y a des gens derrière? Non, c'est parce qu'en fait, c'est un peu con parce que ce côté-là, en fait, de ce côté ici, c'est plus sombre que ce côté-là-bas. Tu veux que je me mette comme ça? Bah voilà, en fait. Donc voilà, voilà, mon frère qui est derrière, qui peut... il va se saluer. Bonjour, je sais même pas si on voit bien. Bof. Donc voilà, toujours avec sa capuche. Donc en fait là on va bientôt rentrer. On va peut-être sortir à la foire fouille pour acheter quelque chose pour faire mon DIY. Car je devais le filmer hier mais j'ai pas pu, vu qu'on est rentré tard de chez la mère de mon copain. Bref, tout un programme. Et j'ai un truc à vous faire montrer. Donc c'est ceci, cette magnifique bague. Donc en fait elle est super belle. Donc ma mère l'a acheté sur internet, 1 euro seulement. Et en fait ma mère en a acheté plusieurs exemplaires, pas la même mais des autres styles, mais qui viennent du même vendeur je crois. Et elles coûtent tous 1 euro pour celles qui sont intéressées, il y en a de toutes sortes. Et pour vous dire, c'est de l'argent. Donc je sais pas si on va bien voir, mais il y a un pinson à l'intérieur ici. Et donc elle ne déteigne pas, ma mère a dormi avec deux de ses bagues qui lui a coûté 1 euro et ça n'a pas bougé. Donc si vous êtes intéressé, vous tapez bague. Au pire, si vous êtes intéressé, je mettrai les références des bagues comme ça en barre de description. Car franchement, des bagues comme ça, 1 euro qui ne déteignent pas, franchement, que demander le peuple? Par exemple, vous n'avez pas le temps, bon en même temps, il y a les frais de... pas les frais de livraison, mais il y a le temps de livraison. Mais si vous aurez voulu acheter quelque chose pour votre... pour la fête des mères, franchement, je l'aurais pensé avant, bah, je l'aurais fait. Et bah, vous achetez une bague qui coûte 1 euro, c'est de l'argent, ça ne déteint pas. Ma mère, comme je vous ai dit, elle a dormi avec deux de ses bagues. Ça ne déteint pas du tout, elle nous l'a fait montrer. Et franchement, je suis très scotchée. On était tous scotchés. Et ensuite, il y a cette bague-là que ma mère a eu, je ne sais plus où. C'est du plaqué or, je crois. Mais elle ne l'a pas eu sur internet, par contre, celle-là. Donc moi je la mets au-dessus, je sais pas pourquoi. Et il y a celle-ci qu'elle m'a achetée sur internet. Donc en fait bah, c'est des bagues, c'est une bague marquée Love. J'en voulais une avec une écriture. Et je sais pas pourquoi mais c'est un petit peu vert derrière. Oups. Là, c'est parce qu'elle déteint celle-là. C'est un tout petit peu vert derrière mon doigt. Donc je suis un tout petit peu déçue car ben voilà, j'aurais pensé. Après faut peut-être que je la laisse plus longtemps. Mais ça se voit un peu, regarde. Je sais pas si tu vas le voir, c'est un peu vert. Un petit peu, oui. Ouais. Donc, je pense que je vais la vernir avec du vernis, c'est évident. Donc, voilà, voilà, c'est tout pour la petite info. Donc, je vais vous laisser. De toute façon, je vous reprends tout à l'heure pour la suite du vlog, car on va peut-être à Noz et à Jiffy. À Noz, n'importe quoi, moi. À la Forfouille, à Jiffy, je vous filmerai peut-être si on peut dans le magasin. Donc, à tout à l'heure. Alors, c'est encore moi, bien sûr, c'est évident. Donc, alors là, on est arrivé à Jiffy. Je sais pas si vous pouvez le voir. De toute façon, je ne mens pas, c'est bien Jiffy. Donc en fait, il y a toujours un truc, une sonnerie dès que je filme. Donc alors je vais demander à mon frère de filmer. Arrête! Je vais demander à mon frère de filmer un petit peu dans le magasin car moi j'ai un petit peu la trouille on va dire. Et j'ai peur qu'on me dise ne filmez pas. Donc, oula j'ai très mal. Je vais filmer, il va essayer de filmer un petit peu les alentours du magasin même si c'est pas très important. Il va essayer de nous filmer nous aussi. Comme ça vous nous verrez aussi dans le magasin même si c'est pas très très intéressant. Mais bon voilà, on va essayer de filmer puis je vous dis à tout de suite. Salut! Regardez ce qu'on a trouvé à Jiffy! Ouais, 2 euros! Regarde la bonne qualité, regarde! Ah, c'est vrai que ça brille! Elle est toute belle! Oh, attends, j'apprendrai bien! Oh, regarde. Bonjour! Nous sommes les Regardez, il y a même avec des petits points! J'en étais sûr que j'allais la sortir! Moi, je vais flasher sur celle-là! Pas qu'on gueule en train de filmer, sinon j'ai l'air con! Bon, je vais la laisser de côté parce que je dois. En fait. Il me faut des choses précises. Donc, dès que j'ai mes choses précises, je reviens si je peux.
Donc je vais la laisser là. Bah laisse là, de toute façon. C'est pour la fête des mères en fait. On va dire que les autres trucs passent avant. C'est au rayon cuisine. Regardez la différence frappante avec cette serpillière classique. La microfibre vous permet aussi d'utiliser cyclone 360 degrés à sec pour capturer les poussières. Ouais, c'était genre. Tu sais pas si j'ai tout, tu sais. Tiens, vas-y, fais-le. Tu prends juste le téléphone, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Maxime et je possède des cheveux. Nous sommes sortis, nous sommes pas restés longtemps car déjà j'avais très envie d'aller aux toilettes et en plus de ça, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Le moule pour le fameux cheesecake que je veux faire pour la fête des mères, bah, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est super. Et en fait, bah, j'ai trouvé ceci. Donc c'est exactement le même shop que je me suis acheté à Casa avant de venir à Annecy, mais en plus petit. Donc c'est ça, ceci. Donc voilà, je l'ai acheté pour la fête des mères. Excusez-moi. Je l'ai acheté pour la fête, pour ma mère, pour la fête des mères. Je sais que ce n'est pas un cadeau merveilleux, mais en fait, j'avais envie qu'elle ait son propre shop. Elle en a déjà une en forme de bouteille, comme je vous ai déjà fait montrer. Couleur jaune et là en plus bah, c'est couleur mauve violet, bon là vous verrez plus blanc mais c'est du mauve violet et elle adore le violet donc on va dire que ça se rapproche un peu. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. Il y avait gris avec des petits pois sur sur ça et mais j'ai pas pris parce que moi quand j'ai vu celui-là c'était lui qui m'avait plus plu. Après il y en avait un autre, c'était une couleur un peu comme du iced tea, là, le vert était avec une de la couleur un peu marron orange. Mais j'ai pas pris non plus. Donc voilà, là on va direction Farfouille. Donc je vous retrouve à Farfouille si j'ai le droit de filmer. On est arrivé, pardon, à la Farfouille comme vous pouvez le voir. Pareil, je vais essayer de filmer. Peut-être que mon frère va filmer, mais je vais pas trop filmer car il me reste plus beaucoup de temps sur ma carte. Donc ça c'est très embêtant. Donc je vous retrouve à l'intérieur. Bonjour, alors voici ce que j'ai choisi pour faire mon DIY. Donc c'est pas des fleurs super jolies comme vous pouvez voir. On a plein d'autres super belles. Oula, il y a trop de rouge. Mais le truc c'est que pour des petites fleurs simples comme ça, c'est quand même 2 euros. Moi personnellement, je vais pas mettre 2 euros dans une fleur. T'en donc, envie, c'est pour ça, celle-là c'est 1 euro seulement, donc je vais prendre celle-ci. Ce n'est pas par manque d'argent, c'est juste que pour des fleurs artificielles c'est trop cher. Donc voilà. Donc on va arrêter puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes sortis de la Farfouille. Là on attend à la voiture, mon frère il est tout là-haut. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est mon copain, il a disparu de la surface de la planète. Donc là on est en train de l'attendre. Donc je ne sais pas si je vais fumer Stokomanie car j'ai plus beaucoup de place du tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous sommes rentrés. Donc ça fait du bien de rentrer chez soi, enfin chez soi entre guillemets vu que c'est chez ma mère. Donc là il est 18h56 et je vais terminer le vlog d'aujourd'hui. Enfin de ce jour-là aujourd'hui car j'ai pas envie qu'il soit trop long vu qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, la fête des mères. Mais peut-être que je filmerai vite fait demain, voire peut-être que je vais vous filmer directement la fête des mères, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, mon copain est là-bas, Alice Blaze. Mes chats, ça, faut que je le jette à la poubelle bien sûr. MJ qui est là-bas, Minette qui s'étire, Didlin et Misty. Voilà, donc je vous dis bonne nuit, un bon appétit et à demain pour la suite du vlog. Rebonjour à tous, bon voici le lendemain, donc nous sommes le 28 mai, c'est ça ? Ou 29 mai. Donc désolé pour ma coiffure, à force à l'habitude, donc voici mon frère. On mange sur le balcon en fait. Pâtes, alors moi je me suis fait des œufs avec des oignons et herbes de Provence et curry avec des pâtes avec du concentré de tomate, ça j'adore. Bah les pâtes sont là. Mon copain, bah pas de steak haché, bientôt fini, hein. Coucou. Maxime qui se sert de la menthe, pas trop parce que c'est trop sucré après. Tu vas nous en servir un petit peu, t'es gentil. Bah au pire, je le mets dans l'air. Donc voilà, avec la merveilleuse vue que vous avez sûrement déjà vue, il fait super bon. Donc voilà, pas trop froid, elle pas est trop super chaud, trop froid. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à tout à l'heure. Voici, ici. Donc on a fini de manger depuis un petit moment et là en fait on est en train d'attaquer la peinture, je sais pas si je vous l'avais dit au début. Donc j'ai plein de peinture partout et là on est en train d'attaquer. Donc là en fait mon copain c'est lui qui va faire tout là-haut car moi je peux pas, j'ai le vertige. Et mon frère et moi on a commencé à faire tout. Et on fait pas ses griffes sur le fauteuil, non mais on a fait tout en bas et voilà, là c'est la première couche de ce mur là, pardon. Et là on avait fait ça la semaine dernière, neige qui est sur tout en haut de l'escabeau. Bidou sur
Le manteau à Maxime, bravo. Et Tao, je sais pas où il est. Il est là. Coucou Tao. Oh, il m'a fait peur. Moi, je voulais qu'il se laisse tomber par terre pour avoir des caresses parce qu'il fait ça. Donc là, on avait fait la première couche la semaine dernière parce que ben on avait pas refait dans la semaine vu que on avait des choses à faire. Et là, ben, on va attaquer la deuxième couche aujourd'hui. Comme ça, on sera tranquille. On aura tout fait. Donc voilà, voilà. Oh, t'aimes bien les caresses, toi. Oh là là. Eh ben, dis donc. T'en demandes. Donc voilà, voilà. Là, mon copain, je sais pas où il est, doit être aux toilettes. Et désolé pour ma coiffure, vu que je fais de la peinture, c'est pas très très grave. Donc voilà, voilà. De toute façon, je vais pas trop filmer aujourd'hui, car le vlog va être trop trop long. Donc en fait, après, si j'ai le temps, je vais faire le DIY que je devais faire. Je vais faire la première partie. Et dimanche, le DIY que vous verrez, et ben, sera fait avec ma mère. Donc en fait, il y aura un DIY où vous verrez que moi. Et dans la même vidéo, il y aura un DIY avec ma mère. Donc en fait, si ma mère veut bien, bien sûr, si elle est en forme, etc. Vu qu'elle travaille beaucoup, elle sera fatiguée. Donc en fait, ça sera un DIY... Non, une vidéo avec deux DIY. Donc je pense que vous avez compris. Donc je vous dis... Voilà, me voici dans la cuisine. Donc là, on est en train de réfléchir à ce qu'on va manger avec mon copain. Donc bref, j'ai fait mon DIY cet après-midi. Donc il n'est pas encore tout à fait fini. Il faut attendre que ça sèche et ça sera bon. Donc je vais vous faire montrer. Donc vas-y, fais montrer. Donc voici les pots. Bon, c'est comme je vous ai dit dans le DIY, c'est pour faire ceci. Donc c'est pour faire le truc avec la paille. Donc moi je l'ai fait en arrondi. Donc ça s'appelle un pot maçon, je crois. Ou une chope, comme vous le souhaitez. Désolée, j'ai de la peinture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a peint. Donc là j'ai fait rose pour moi et violet pour ma mère. Donc j'ai mis des paillettes. Donc alors j'aurais peut-être pas dû mettre des paillettes parce que si admettons ma mère veut boire dedans, bah y a des paillettes qui se barrent un petit peu. Donc ça me gêne un peu parce que peut-être qu'on va avoir des paillettes qu'on va boire. Donc mais je trouve ça super joli. Moi je pense que je vais le mettre en décoration. Mais j'essaierai de voir pour boire dedans car comme vous pouvez le voir, la paille rentre très bien dedans. Et si je fais très bien attention, les paillettes n'iront pas dedans. Donc je verrai. Donc voilà voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Je vais arrêter de filmer aujourd'hui car demain c'est une grande journée. Je dois faire mon cheesecake. Et dimanche c'est journée tournage avec ma mère pour faire la suite du DIY. Car cette vidéo ça sera deux DIY en une seule vidéo. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Donc voici le lendemain. Donc nous sommes samedi 30 mai, c'est ça? Ouais. Donc alors, comme vous pouvez voir, je suis bien maquillée. Donc alors, il faut que je vous parle du rouge à lèvres que j'ai sur moi. C'est un rouge à lèvres que ma mère a acheté sur eBay. Qui est un effet mat, comme vous pouvez le voir. Mais je vous en parlerai après. Donc là, en fait, je suis en train de préparer pour ma recette. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez peut-être compris, je vous donne un petit indice. Mais je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Je vais faire déjà un cheesecake. Mais vu comment c'est présenté, je pense que vous avez deviné. Bref, mon copain est là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, je vais faire mon cheesecake pour demain, la fête des mères. Et je vous retrouve tout à l'heure. Mon cheesecake est en train de cuire. J'espère franchement que ça va prendre. Je suis super contente parce que je l'ai bien réussi. Enfin, on va dire entre guillemets. Mais là, c'est en train de cuire dans le four. Donc, je vais vous faire montrer. Désolée pour les litières. Hein. Il est en train de cuire, tout doucement mais sûrement. Donc voilà, on attend le résultat, donc je vous dis à tout à l'heure. C'est dans la chambre. Donc là en fait, le gâteau est en train de cuire. Donc en fait, je voulais vous parler d'un truc. Donc j'étais pour voir sur YouTube si j'avais pas des messages ou s'il y avait... mes abonnements, s'ils n'avaient pas fait de vidéos. Et j'ai vu ceci. Regardez ça. 50 abonnés. Non mais vous vous rendez compte? C'est merveilleux, non? Alors je suis trop 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 contente. Franchement, j'en reviens pas du tout. Je tenais à vous remercier encore et encore. Car il n'y a pas très longtemps, j'en avais 32 et là j'en ai 50. Ça augmente quand même bien. Je suis tellement contente que quelqu'un m'apprécie alors que à la base je suis une fille tout à fait banale comme, comme fille. Et j'aurais pas pensé que quelqu'un s'intéresserait à moi pour ce que je fais, que ce soit les vlogs ou autre. Et franchement ça me fait vraiment plaisir. J'adore ce que je fais, franchement c'est pas du tout pour ce qu'on dit sur YouTube.
Je sais qu'il y a certaines filles, j'ai déjà entendu, qui pensent qu'à l'argent, moi personnellement, je m'en fiche. Je savais qu'on pouvait gagner des sous sur YouTube, je l'ai su par des youtubeurs. Et j'ai même cru sur certaines qui disaient que 1000 vues, 1 euro, je sais pas quoi. Mais après, je me suis dit, je m'en fiche complètement. Parce que, comme vous pouvez le voir, si je ferais ça pour l'argent, ça se verrait. Tandis que là principalement, mes vidéos, c'est que des vlogs et certains tags avec mon frère et des all knows quand je peux y aller. Sinon, franchement, j'adore ce que je fais et j'adore aussi tout. Donc voilà, je tenais à vous remercier encore. Donc alors, je sais pas si vous m'avez suivi tout à l'heure, mais je vous ai parlé du rouge à lèvres que je porte là. Donc en fait, c'est celui-ci. Je crois que je vous l'ai fait montrer. Non, je vous l'ai pas fait montrer. Je sais plus en fait. Bref, c'est un rouge à lèvres... Non, un gloss que ma mère a acheté sur eBay. 1,29€ seulement. Et ah si, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et en fait, je vous avais dit que je vous en parlerai au fur et à mesure de la journée. Donc du fait que j'ai mangé quelques trucs, ça s'est un petit peu estompé. Mais ça reste encore. Le seul petit bémol, c'est que ça colle un petit peu. Ça... Là, vous voyez, bon, je viens d'en remettre une deuxième couche, en fait. Enfin, une couche après avoir mangé. Et ça colle parce qu'il faut attendre là que ça sèche. Mais sinon, ça reste un petit peu collant entre les lèvres. C'est ça qui est gênant. Sinon, moi, j'adore ce petit gloss-là. Qui est fait mat, bien sûr. Et franchement, il est trop bien. Et ma mère m'a dit qu'elle allait en prendre plusieurs teintes qu'il y a de cette collection-là. Et voilà, ça coûte 1,29€. De toute façon, je vous mettrai les liens de ce petit gloss là en barre de description. Après, peut-être que pour moi ça fait sèche, ça fait ça colle parce que j'ai les lèvres sèches. Après, je sais pas si c'est ça ou pas. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je sens que le vlog va durer des plombes. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous faire montrer le résultat de mon gâteau. De mon cheesecake est enfin fini, donc il est plus de minuit, minuit des brouettes. Donc je vais vous faire montrer ça. Donc voici mon cheesecake. Donc il n'est pas cramé, vous inquiétez pas, c'est juste que là la lumière n'est pas terrible. Si j'allume derrière, c'est un petit peu mieux. Désolée, il faut que je fasse la vaisselle. Donc il est un petit peu marron sur les côtés, là vous voyez noir mais c'est marron. Il a un petit peu craqué ici, je ne sais pas pourquoi. Mais franchement il est super réussi quand même s'il n'est pas super net. Mais franchement regardez-moi la couche de fromage et de gâteau. Franchement je suis quand même contente du résultat. Donc voilà, le vlog va s'arrêter là. Je vous reprends demain pour la fête des mères. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pouvoir la filmer un petit peu au maximum. Donc voilà, tout à l'heure j'ai fait le montage du vlog et j'ai vu que c'en était déjà à 16 minutes. Donc je me suis dit super, plus la journée de demain ça va faire un petit peu long. Donc bref, j'espère que vous serez quand même content de ce vlog. En tout cas je tenais encore à remercier mes 50 abonnés, franchement on n'en revient toujours pas. Je vous fais de très très gros bisous. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense que je vais peut-être lire mon livre 50 nuances de gris. J'en suis au 7e chapitre, un truc comme ça, du premier livre bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Si vous avez mangé, bon appétit. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit quand même. Donc je vous fais des très très gros bisous et à demain. Coucou ma mimi. Bonjour tout le monde. Donc voici le 31 mai. Ah y est, c'est la fête des mères. Alors ma mère est ici. Coucou tout le monde. Toute la famille est réunie. Lolo, ça peut rien dire. Presque. Donc alors, voici mon beau cheesecake que je vous ai fait montrer. Donc qui a craqué, je ne sais pourquoi. Je ne sais pas. Et les deux cadeaux que j'ai offert à ma mère, c'est pas merveilleux, c'est tout mignon hein. Donc voilà, on va manger ce beau magnifique cheesecake et puis on vous dit bon appétit, bonne fête des mères à tous et puis à tout à l'heure. Je pense qu'on s'est coupé, vu que c'était un petit cheesecake, et on s'est coupé les 4 parts, donc ça fait... Tu peux abaisser ton truc s'il te plaît, merci. Donc regardez les grosses parts qu'on s'est coupées, ma mère a la plus grosse vu que c'est la fête des mères. Là, c'est la part de mon copain, la mienne et celle de Maxime. Donc voilà, on va bien se régaler, n'est-ce pas? Voilà, les chats qui s'éclatent. Bidou qui est là, les gens dessous. Voilà, ma mère qui est en train de faire du thé et du chocolat. Oula, c'est quoi de chaud pour tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Bon, voici le lendemain. Donc, je suis désolée de ne pas avoir filmé hier. J'ai complètement oublié, en fait, car il y a eu des petits... il y a eu des petits soucis on va dire, et puis du fait que c'était la fête des mères, on a profité un petit peu. Mais il y a eu des petits soucis, pas très 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 graves, mais un petit peu embêtant quand même, mais je vais pas vous en dire plus. Au pire je vous en dirai plus quand tout ça sera fini, car c'est un petit peu du gros n'importe quoi. Bref,
Alors le vlog s'arrête maintenant car sinon il va être trop long. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Désolé, en fait je viens de me lever, il est 8h et des brouettes. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à aimer la vidéo aussi si vous voulez, hein. À vous abonner sur ma chaîne, tous les réseaux sociaux. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc j'espère que encore ça vous aura plu. Je sais que c'est long mais j'adore parler. Puis j'adore aussi vous faire partager un petit peu ce que je fais avec mon copain, mon frère, etc. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.